Plusieurs études ont été menées sur les procédures d'attribution de logements sociaux qui peuvent être à l'origine de situations discriminatoires. Une association a réalisé un travail de sensibilisation aux discriminations dont sont victimes des familles monoparentales, généralement des femmes avec enfants et d'origine étrangère. Des radios ont diffusé des témoignages de personnes qui se sont vues refuser un logement parce qu'elles étaient handicapées. Et souvent, quand on essaye de trouver un logement, c'est très difficile de passer par agence puisque nous avons des revenus non imposables. Donc là, déjà, les portes des agences nous sont fermées si nous n'avons pas de bon garant. Moi, j'avais donc trouvé un appartement qui me convenait tout à fait. Mais visiblement, quand j'ai annoncé que j'étais en situation de handicap, que j'étais en fauteuil roulant, là, tout de suite, l'appartement n'était plus disponible. On m'a même pas laissé visiter l'appartement. Plusieurs outils de sensibilisation ont été réalisés. Guide sur le recrutement élaboré par des jeunes diplômés issus des minorités visibles et des employeurs. Site internet pour les femmes entrepreneurs. Outils de sensibilisation aux discriminations dont sont victimes les femmes à l'embauche dans les emplois agricoles ou dans les métiers du bâtiment. Une étude a été réalisée sur la discrimination en raison de l'âge et du sexe. Des chambres des métiers et des associations se sont mobilisées pour sensibiliser les employeurs à des recrutements sans discrimination. Plusieurs projets ont abordé la question du handicap. D'autres projets portent sur les discriminations liées à l'orientation sexuelle. Où ça m'est arrivé de présenter Thierry comme étant mon mari. Ça tue. Les discriminations dans l'éducation peuvent survenir dès l'orientation. L'école est aussi le terrain privilégié pour lutter contre les préjugés et les stéréotypes à l'origine des discriminations. Chez les plus jeunes, grâce à un concours... Bonjour, je m'appelle Morgane. Je suis ici pour vous faire passer mon message contre le racisme. Le racisme est une destruction pour le corps et la raison. Pour certains, c'est une maladie. Ils vont jusqu'à tuer des vies. Quelle que soit votre couleur, aimez-la sans peur. Moi, je suis métisse et je le reste, dans mon cœur et dans mes gestes. Faites que tout ça s'arrête en nous aidant à les convaincre. Dans les lycées, grâce à une formation en droit par des étudiants. Nous mettons en place avec l'association Pousségo une opération qui s'appelle Droit au cœur. Consiste à former des étudiants de tout horizon, quelle que soit la discipline. Formation en droit des discriminations, donc avec un aspect pénal, un aspect droit du travail, liberté publique et droit communautaire. Et utiliser cette force que constitueront ces étudiants pour intervenir dans les lycées, puisque nous sommes en partenariat avec le rectorat, l'Université de Picardie, le conseil régional, l'Agence de la cohésion sociale et l'égalité des chances. Et avec cette population, nous allons intervenir dans un premier temps dans 10 lycées amiénois pour sensibiliser les lycéens sur cette problématique, avec une approche juridique et une approche pratique, c'est-à-dire mettre en scène avec les clubs de théâtre des lycéens des scènes de discrimination et reconstituer un procès pénal qui montre concrètement comment ça se déroule et comment une victime actuelle peut réagir face à ce phénomène. Un projet traite en particulier de la discrimination subie par les populations tziganes. C'est une grande fortune, notre roulotte, là. C'est beau. Pourtant, bon, elle est vieille. On vous donnerait une caravane qui coûterait même 100 millions. Jamais je laisserai ma roulotte. Jamais, même une maison. J'en voudrais pas. C'est ma roulotte et mes chevaux. C'est ça qui compte, c'est la vie, ça. Parmi les autres projets, des rencontres, des débats, des festivals de musique. C'est déroulé aussi cher. Trop de larmes ont été versées dans les hôpitaux. À tel point qu'on est plus d'un château d'eau. De films. Des pique-niques, des pièces de théâtre, des émissions de télévision. 2007 a été placée comme l'année européenne de l'égalité des chances pour tous. Les discriminations nous concernent tous et c'est la HALDE, la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, qui a été chargée pour la France d'organiser autour de différentes actions cette année spéciale. Des concours pour enfants, des conférences.
train de diviser. Arrêtons de dire que les minorités sont responsables de tous les problèmes français. Comment on devrait vivre ensemble? Je pense qu'il y a certaines incompréhensions par la méconnaissance de l'autre. Comment ça se fait que moi j'ai grandi dans un, je dirais un quartier où est-ce qu'on se mélangeait tranquillement, et arrivé à un certain âge, il y a des préjugés négatifs sur certaines populations. Et justement, j'ai essayé de comprendre, et en règle générale, c'est lié à l'histoire. Et en règle générale, c'est les messages de la société ou les adultes qui font qu'un jour, les plus jeunes commencent aussi à véhiculer ces messages négatifs sur l'autre. Lève le voile de ton ignorance pour laisser place à la tolérance. Qu'on soit nouveau ou bien impur, qu'on soit tout frais ou bien trop mûr, qu'on parle l'espagnol ou le bledard, qu'on ait un but ou qu'on aille nulle part, qu'on soit rasta ou brave gens, petit smicard ou président, qu'on soit riche ou bien paumé, qu'on dorme dans un lit ou sur un quai. Capitaliste et anarchiste, fille de joie ou funambuliste, de la noblesse ou fils de chute, qu'on ait un château ou une cahute, qu'on soit moche ou sexe symbole, qu'on porte la poisse ou qu'on ait du bol, tous les vieillards, tous les bébés, tous les savants ou tous les illettrés. Tous les travailleurs et les mendiants, tous les voleurs et tous les brigands, tous les pudiques, tous les nudistes, tous les athlètes et tous les unijambistes, tous ceux qui s'en foutent et les militants, les spectateurs, les intermittents, Toulousains, Montpelliérains, Aurillacois et Marcolésiens. Qu'on progresse ou qu'on fonce dans le mur, on n'ira pas très loin, c'est sûr. Pleine d'influence et notre culture, faut s'accepter et c'est ça qui est dur. Car qu'on soit beurre, noir, jeune ou blanc, qu'on soit athée ou musulman, handicapé et maltraité, clandestin ou sans papier, ça fait notre force.